Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une jauge de marquage et ensuite on se retrouve à la fin pour comparer entre celle que j'ai déjà achetée et celle que j'ai créée. C'est parti! Ça vous permet, donc celle-ci par exemple, vous réglez votre mesure. Ça vous permet de faire des repères tous à la même mesure ou alors de tracer directement simplement un repère. Vous pouvez faire la même chose avec celui-ci, donc vous le réglez à la mesure souhaitée. Ce qui est important, c'est de réaliser cet assemblage sans jeu. Et là, vous pouvez de la même manière réaliser des marquages ou faire dans la continuité. Ça fonctionne tout aussi bien. Les réglages sont précis. Franchement, ça. Ce qu'il est important d'avoir, c'est ici un usinage sans jeu. Comme ça, vous pouvez coulisser. Ça vous sert aussi d'équerre, de renvoi. J'ai décidé de faire cette partie plus large
que l'original, puisque bon, l'épaisseur c'était vraiment important pour avoir un bon maintien, mais vous pouvez la faire plus fine si vous travaillez des bois fins très souvent, comme ça, ça vous permet d'utiliser sur l'établi. Moi je préfère l'utiliser voilà, à l'extérieur et d'avoir une plus grande surface d'appui, et pareil pour la largeur, puisqu'il est aussi facile de le réaliser de petite taille. En tout cas, c'est une petite réalisation sans prétention, mais vraiment efficace. Donc soit, je vous conseille d'en avoir un à l'atelier. Donc soit vous réalisez le vôtre, soit vous en achetez un pour une petite trentaine d'euros en inox, enfin acier inoxydable. Perso, j'adore celui-ci, mais je voulais m'essayer et vous montrer qu'on peut très bien le faire pour vraiment une somme dérisoire. Dessous, j'ai utilisé un boulon avec une empreinte carrée sous la tête bombée, ce qui me permet de l'avoir en place en permanence, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Vous pouvez aussi prendre une tête hexagonale classique et la noyer dans le bois avec le ciseau à bois, vous faites l'empreinte et voilà, comme ça il est bloqué, il ne tourne pas et c'est tout aussi facile. Vous pouvez aussi le tarauder et avoir un boulon molleté. Personnellement, je n'avais pas de boulon molleté sous la main, sinon je sais ce que j'aurais fait. Voilà, une petite réalisation sans prétention qui a été quand même difficile physiquement pour moi avec les difficultés que j'ai, notamment avec le passage à la défonceuse. Mais je dois dire que je suis satisfait du résultat. Ça nous fait une jauge de marquage vraiment très intéressante. On a une surface d'appui importante ici que là. Après, celle-ci est réalisée en acier inoxydable. Vous pouvez avoir la même pour une trentaine d'euros. Je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. Et si vous avez l'envie de la réaliser, c'est simple, un morceau de contreplaqué de 10. Cette partie-là, je la fais en contreplaqué puisqu'elle sera plus solide que du massif, à moins de faire du multipli. Et quand bien même on la fera en massif, on a des possibilités de déformation dans le temps avec l'hygrométrie. Un contreplaqué est beaucoup plus stable. D'un coup, le contreplaqué ici avec ses 6 couches ne va pas bouger, il va rester extrêmement stable. Ici, j'ai pris du bois massif pour la dureté. Ici, c'est du frêne en l'occurrence. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.